Salut les loulous, ici Gamino pour ce 13ème épisode de la race Pokémon Crystal sur Ivasam Studio. La dernière fois, on avait combattu l'arène de type glace, menée par Fredo, qu'on avait battu plutôt à plate couture. Et cette fois, avant de dire ce qu'on va faire, on va finir de dire ce qu'on a fait. On avait commencé à investiguer la tour radio qui avait été envahie par la Team Rocket. Ensuite, un commandant Rocket, un Kaïd. C'est pas des commandants, c'est des Kaïd parce que wesh wesh, si t'as vu. Bref. Ah, c'était le temps qu'il nous a donné une clé souterrain pour aller chercher le vrai directeur parce qu'il s'était déguisé en faux directeur. Oh ha ha, oh ha ha, oh ha ha. Un combat qui a été plutôt pas mal quand même parce que le dresseur il avait 5 Smogo niveau 30 et un Smogogo niveau 32. Autant dire que Gravalanche, sa retraite, c'est pas encore pour tout de suite. Voilà, pendant qu'on va défoncer ce magnifique Macronium. Donc dans cet épisode, on va finir l'épisode Rocket, en théorie. Bah non, je vais garder coup de boule. Je préfère encore empoisonner, parce que le poison, ça nous a vraiment sauvé la vie de ouf. Dans le passé, plusieurs fois. Notamment contre Écrémeux de Blanche et Tartare de Chuck. Franchement, c'est vraiment un Pokémon qui nous a... une attaque qui m'a sauvé, alors j'ai pas envie de... Je préfère flinch, je préfère tenter les flinch avec coup de boule, ça perd... Enfin... C'est un empêchement d'attaque temporaire, on va dire, voilà. Je vais me comprendre tout seul. Alors que la paralysie, à terme, ça empêche l'empoisonnement. Donc sur un combat serré, hein, je pense notamment à la future ligue Pokémon. Ça pourrait jouer. Bon, toi, on s'en fiche. On peut les battre dès qu'on arrive à Doubonville. Hein. C'est pour ça qu'ils ont un niveau aussi faible. Bonjour, Gibus. Voilà, magnifique niveau 7. On va rien dire. C'est là, je le tue pas en un coup, le Magnéti. Ce serait rigolo. Non, c'est bon. Bon, les points d'XP sont parfaitement ridicules. Hop, on change pas de Pokémon, on continue avec notre cher Macronium. Donc là, le coup de boule, évidemment, ça va le tuer, j'imagine. Coup critique, strictement aucune chance. Encore un Magnéti, allez. Canisso, c'était niveau 29, faut que tu prennes un peu de level. T'as un tout petit peu de retard sur tes camarades, faut le rattraper maintenant. Une petite flamèche qui le tue évidemment en un coup. On passera pas au niveau 30. Je pense que vous en doutez aussi. Il va falloir attendre le combat suivant, enfin un vrai combat je veux dire, avec un dresseur qui aurait des Pokémon à peu près niveau 25-30, donc des sbires de la Team Rocket évidemment, vu que c'est eux qu'on est en train de combattre en ce moment. Alors pourquoi est-ce que ces Pecnos nous saoulent là avec ces 4 Magnéti à la con? On a une partie d'envoyer un moment, je m'en fous. J'ai dit Canisos, tu vas aller en première place parce que j'ai envie que tu récupères ton niveau de retard. La clé sous-sol a ouvert la porte, youhou! Et là on peut avancer et continuer la suite du souterrain. Et bonjour! Minute. Hé, j'étais derrière toi. J'ai pas besoin de toi pour casser la tête à la Team Rocket. Attends voir, tu m'as battu avant, non? C'était de la chance, mais cette fois, ça va saigner. Et en effet, de mémoire, il est plutôt costaud. Déjà, il a 5 Pokémon, c'est pas mal. Il commence avec nos Sferalto. Niveau 30. Voilà, nos Sferalto, niveau 30. Il fait direct entre eux, d'accord. Le combat va bien commencer. On est, à proprement parler, très heureux de nous. On va pas chercher, on va changer de Pokémon. Hop. Netkin, avec ton point éclair, tu feras l'affaire. Largement, normalement. Est-ce qu'on est plus rapide? Oui.
Est-ce qu'on le tue en un coup? Ah. Ah. Ah ouais. Je suis déçu là. Allez, allez. Allez, Netkin, on croit en toi. Voilà, point clair qui te passe. Et qui fait le chaos, c'est magnifique. Ah bah, niveau 30. Une attaque? Non, toujours pas. 1000 points d'Expelnos for Alto. Ah, for Fury, bon, voilà. On va mettre Caninos du coup. For Fury niveau 32. Donc là, on va bourrer les flamèches. Gros yeux, parfait. Oui, je m'en fiche, fais ce que tu veux. Un Far Fury qui a pas des grosses défenses, donc voilà. Même s'il y a deux niveaux d'écart. Ah, quoique, il a des attaques. Donc ça, gros yeux n'est pas inutile. Je pensais qu'il aurait juste des attaques glace ou ténèbres, hein, comme son type, mais ouais, c'est vrai que... voilà. Notre gros yeux, parfait. La flamèche qui va faire le chaos à coup sûr. C'est parfait. 900 points XP, baptisé Spectrum, oui on va changer. Et non on va pas changer. Je pense qu'on peut le battre. Là le Spectrum on peut se le faire. Ah quoique il est là-bas. Bon. Désolé. Je voulais pas. Pas grave parce qu'on a... oui on a coup de boue bien sûr. Bon, il sacrifie la moitié de sa vie, tant mieux. La malédiction sur le Gravalanche. Malédiction qui enlève quand même un quart de points de vie à chaque tour. Bon, là, normalement, s'il nous tue pas, ce sera bon. Ouais, il nous tue carrément pas. Ah bah oui! Attaque Spectre, c'était physique à l'époque. Du coup, le Gravalanche, il a bien tanké la ballon. Bon, bah oui. On oublie trop souvent ça quand on y joue. Nouveau Pokémon de Furisson, est-ce qu'on a un champ de Pokémon? Oui! Parce que maintenant on a. Armand! Léviator! Léviator rouge! Et voilà. Ah, les belles étoiles. Et le surf. Easy! On va pas le tuer en un coup quand même. Non, c'est bon. J'aurais été un peu étonné, j'avoue. Précision diminue, c'est pas grave. On va faire Dracourage. Alors on rate pas, ça va suffire pour le chaos. Dégâts fixes, 40 PV, c'est parfait. Et 900 points d'XP. En dernier, Magnéti. Et là, on va changer. Et on va... vite. Je crois que j'ai envie de bluffer à Magnéti, mais j'ai mis que de faire. Parce que du coup, on va... de Gravalanche. Je te l'ai dit, la retraite est loin, je le pensais pas honnêtement. Finalement on va peut-être te garder jusqu'au bout au final en fait. On ne sait pas. Sonic Boom, c'est pas grave. Une ampleur 7, ok. Là il a aucune chance Magnéti. C'est le One Hit KO. Hop, triple point d'interrogation, a perdu, pourquoi? Moi perdre une Pokémon Super Balai, je les entraîne à fond, alors pourquoi? C'est incroyable. Calipiter, donc vrai, je m'occupe mal de mes Pokémon. Amour, confiance, est-ce aussi important? Est-ce la raison de ma défaite? Je comprends plus rien. Mais c'est pas la fin. Pas maintenant, pas comme ça, je sois le plus grand dresseur de Pokémon de tous les temps. Alors, on n'a pas de rappel. Alors, je suis désolé pour Caninos. Je suis vraiment désolé, mais on va pas faire l'aller-retour. Je m'en fiche, tu sais pas par où aller. Si tu viens ici, tu dois t'attendre aux conséquences. Exactement. Les conséquences, c'est de te casser la face. Comme tous tes collègues. Ouais. Non, par contre, c'est gênant. Je veux dire... c'est gênant. Dire. Enfin. Ouais, là c'est encore plus gênant en fait.
Waouh, quel combat palpitant. Franchement, on est tout simplement époustouflé. Interrupteur 1, bruit, on va l'activer, bien sûr. Total soin. Alors, je sais plus exactement comment est-ce qu'il marche les interrupteurs. Je sais pas lesquels il faut utiliser. Ouvre un autre truc et un autre se ferme. C'est dur d'avancer, hein. Donc ça se trouve, toutes les portes ouvertes se ferment et toutes les portes fermées s'ouvrent. On ne sait pas. Bon, 3 Pokémon, c'est moins gênant. Voilà, ça c'est bien. Et comme on n'a pas peur, même si on devrait... Oh, on lui fait rien, oh là là. L'armure qui augmente sa défense, je pense qu'il va falloir encore 3 coups, non? Ok, on le flinch. Et un nouveau flinch, et c'est bon, le combat est terminé, je pense. J'espère. Oui, ça m'a dit. 700 points d'XP, ça fait du pire. Mieux qu'un ratata. Smogo, non, on va pas changer, on va pas changer. On va encore continuer. Tout Macronium est proche du niveau suivant. Autant le faire grimper, je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être utile. Les tritus qui nous enlèvent quand même 25 PV, 24. Smogo qui rate. On appelle Flinch, mais il a raté donc. On s'en fout, c'est kiff kiff. D'accord, ça c'est mon XP. Ah, on est vraiment tout proche du niveau suivant. Ah, ratata. Par contre, lui, il va pas nous le donner, je parie. On va voir quoi, 300 points XP encore? Mais franchement, c'est ridicule, mais faites-le évoluer, quoi. Ratata niveau 25, un effort. Je veux bien que je te tue pas en un coup, mais bon... Faites semblant, les gars. Ah, tu m'étonnes que Giovanni, il va pas revenir. Non mais... Faut pas chercher plus loin, vous êtes juste des bras cassés. Et on n'est pas niveau 32, bah oui, merci. De flux, je suis perdu. Interrupteur 2, hop, on va l'activer. Et donc, bah, la réponse est non, ça fait pas ce que je pensais. Ok, ça par contre, ça n'a servi à rien du tout. Hop, on va l'éteindre, on va voir ce que ça fait. Ça ferme ici. Ça ouvre là. On va te faire. Ils ont abandonné ce projet avant la fin. Je cherche des restes à voler. Et oui, on est dans les souterrains d'Ougonville, donc on sait pas trop ce qu'ils voulaient faire là. On a des pierres, tout de jogging violet vêtu. Un Caninos, bah, c'est magnifique, le nôtre est KO. On va changer de Pokémon, et on va prendre Léviator, apparemment. Étoiles. Bélier qui fait pas grand chose, par contre nous avec Surf. Mais c'est pas la même chose. Hein. Je suis navré Caninos. T'es juste inutile, mais quand même au niveau 32. Je sais pas s'il apprend Vampigraine, ce serait vraiment tellement... Enfin, c'est tellement génial. Poudre toxique plus vampigraine. Oh. Bon, on va tenter le Dracorage. Je sais pas comment il a de PV ce Mogo. Bon, ça va. Allez, pas d'empoisonnement, s'il te plaît. Merci. On va lancer dans le laisseur. Qui va l'achever? Coup critique, ah oui, non. Et presque 600 points d'XP. Toujours pas de niveau 31 pour Armand, c'est dommage. Un Macronium évolue. Eh oui. L'évolution de notre starter, son stade final, Meganium. Ah, ce qu'il est beau. Ce qu'il est bio, ce Pokémon. Franchement, je suis époustouflé. Oh, comment je t'ai esquivé, toi?
Alors, je ne sais pas. Quoi? Les volets te posent un problème? Bah moi, je te file un petit secret. Je te confie un petit secret. C'est moi qui ne sais pas parler. Encore un Smogo. Là, franchement, c'est la fête au Smogo. Je pense qu'on va changer de Pokémon, de lead. Et voilà, on voit Meganium. Qui est superbe. Qui est très mignon. Ah purée de poil, l'animation est tellement lente. On se fait empoisonner, c'est magnifique. J'en rêvais depuis que j'étais tout gosse. Oh non, mais non, ça par contre, c'est interdit. Une nouvelle purée de poids. Merci, bonjour. Heureusement que ça paye pas mal en ISP quand même. Gros tas de morts, oui, on va changer de Pokémon. Et on va prendre Armand. Comme ça, il passera niveau 31. Ce sera fait. Arroueux, go! Et là, basiquement, ça. Même si j'aurais pu faire Dracora, je pense que ce serait. Ah! Ce serait revenu au même. Là, on va parler français dans cette émission. Ah, quoique. Ok, on esquive le gaz toxique. On va essayer Dracora, on va voir. Je sais pas combien il a de PV non plus. Je connais pas ses stats. On a pas mal. Nécrasface, ok, c'est bon, le combat est plié! On s'est pas fait empoisonner notre Léviator, ça c'est cool. Il a 800 points d'XP, le niveau 31. Ça c'est cool. Ouais, il a gagné 4 PV max, ça par contre c'est énorme. C'est... waouh. Ah oui, le poison. Et je crois que j'ai oublié d'acheter des super potions, non? Ben oui. Soigner à coup de potion tout court, du coup. Bon, j'espère que ça suffira. Donc, du coup, on va pas chercher à se soigner à fond, forcément. Après le souterrain, on ira faire des emplettes. Hein. Je pense qu'il va falloir. Attends, on va te soigner mon Gravalanche, on s'en fout. J'espère vraiment le foutre à la retraite, hein, par contre. C'est activé, on l'éteint, allez, on va essayer. Là, ça n'a rien changé. Là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Et là-bas, c'est fermé aussi. Aïe, aïe, aïe. Envoie ton blé. Non. Je sais même pas combien j'ai d'argent. Et j'ai pas changé de guide. C'est pas grave, on y croit. Meganium va le faire, moi je vous le dis. Aïe! Ça pique? Ouh, Magmar. Ça travaille pour Armand! Ça travaille pour Nidoking! Lol! Ça va lui rappeler sa jeunesse! Est-ce qu'on a le KO en un coup? J'espère que oui. Voilà. Très gentil. 900 points d'expérience. Bah, utilise Mogo. On va pas changer de Pokémon. Hop. On recommence avec Surf. Avec un petit coup d'accélérateur parce que l'animation est quand même très bien. Et de toute façon, même avec l'accélérateur, le temps in-game est compté comme s'il était accéléré aussi. Ouais, ici un objet. J'espère que c'est un bon objet. Bouffe fumée, ok, c'est de la daube. Fichtre. On va l'activer. Là, on peut plus passer, là non plus. C'est en bas l'activer, on va voir. On va t'éteindre, là on peut passer, là on peut pas. On peut pas, là on peut pas. Ah, punaise, je vais voir des gens.
De toute façon, on peut passer là. On l'a déjà fait, ça. Je peux pas envoyer des petits cailloux sur les interrupteurs? C'est pas possible. Oh, mais quelle horreur, ces interrupteurs. Mon dieu. Toi, si on t'active, ça fait quoi? Ça sert à rien, du coup. Attends, on va t'activer. Ici, on peut toujours pas passer. Là-bas non plus. Ok, un conseil. Change l'ordre d'activation. L'ordre de fermeture de bruit changera. Ok, on va attendre. On va faire le chaos, mais... C'est activé. On t'est lancé. Moi aussi, je vais le faire. Premier interrupteur est au bout, et après... Alors, le premier activé, c'est le troisième. L'interrupteur est éteint. On peut pas passer là, on peut pas passer là non plus. Ni ici. On va essayer le premier. Puis le deuxième. Oh punaise, je déteste ce genre d'énigme. Facteur 2, on s'en fout, éteint. Je crois que le 1 il sert à rien en vrai. T'as un sacré courage pour t'attaquer à la roquette. Ok, c'était 3-2-1, génial. Super utile. T'as pas l'air d'avoir peur, attends, moi je vais te faire peur. Fou. Je déteste les interrupteurs. Les Uber Rocket veut se battre et envoie Ortide. Mais j'ai encore laissé mes gamins. Bonjour, je m'appelle Game, j'ai 20 ans, je suis un bolos. Pas de flinch, un acide dans la face. Bon, ça va. On perd pas tant de PV que ça, mais bon, on aurait pu l'esquiver quand même. On a 700 points d'XP. Megane qui se fait un peu d'expérience. On va réutiliser Ortide, oui, on va changer. Et on. Bah merde. De toute façon, là, j'ai pas le choix de changer. J'ai plus de coup de boule. J'ai plus de PP. Des points de pouvoir. Donc je peux plus l'utiliser, c'est génial. Donc si on va voir avec un courage, et puis au pire on fera morsure. Ou alors on peut balancer Mania, parce que Mania c'est quand même puissant. Ok, non, deux draps courage, ça ira. On essaye la poudre toxique, c'est parfait. Donc, pas de bol sur les interrupteurs, mais un peu de bol quand même sur le combat. Ça va. On a vu pire. Birocket a perdu, comment oses-tu? Eh ben, je fais ce que je veux. Ça surtout pas. Ok. Une hyperbole, bon, c'est inutile. Tant pis. Hop, le soin, la potion. Plus on perd du temps dans le menu, du coup... C'est génial, c'est magnifique. On va dire que ça ira. On va changer de lead. On va être net en premier. Hop. Allez, on perd pas de temps, on fonce. Toi, on a pas le choix de te battre. Ouais, voilà. On voit le directeur. Pas un peu de plus, mes ennemis, j'en fais de la purée. La table. Ok, rat attaque du pain béni, j'ai envie de dire. En plus, on ne rate pas notre queue de fer, c'est parfait. Non, tu pars d'un coup. Bon, la défense qui baisse, honnêtement, on s'en fout. On l'aurait mis KO avec n'importe quelle attaque. Donc ça, c'est chiant, la petite vie attaque, là. Voilà, ça, c'est fait. Un salto, donc on reste encore avec net, on va lancer un point éclair. On va voir les dégâts que ça va lui faire. Ok. Morsure, bon ça va. J'avais peur qu'il fasse une folie comme tous ses collègues, hein, j'ai envie de dire.
Man. On est bientôt niveau 31 avec Net. Encore des objets, on les récupère, on s'en fiche. S'il y en a qui nous serviront pas, il y en a d'autres qui seront utiles. L'huile max, peut-être à la ligue, ça pourra nous être pas mal utile. On peut pas t'esquiver non plus, toi. Nyark, 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 je me souviens de toi, tu m'as battu à notre planque. Je me souviens de toi aussi. J'ai toujours aimé ce sbire avec son nyark, nyark, nyark. J'ai toujours fait rire. Au revoir, Tadmour. Bonjour. Hop. La queue de fer qui passe. Ah, la défense qui baisse. Et donc, je pense que la coup de corne va le tuer. Alors, je dis la coup de corne, je sais, on dit un coup. Et c'est juste. C'est pour diminuer. Pour éviter de dire l'attaque coup de corne. Donc, attaque, c'est là, donc voilà, la coup de corne. Smogogo, on va rester aussi. Allez. Je suis un ouf, moi. Je fais que de faire et qu'il rate. Et lui, il fait charge, il va me faire trop trop mal. Je sais pas comment je vais faire pour gagner. Que de faire qu'il rate encore. Ah, destruction. Au revoir, Netkin. Bonjour, l'écran blanc. Pokémon, bah on va mettre Armand en tête d'équipe. Vu que le reste de l'équipe est plutôt mal en point, j'ai envie de dire... On est obligé de se faire le sbire roquette là, j'imagine, ouais. Comment t'as fait pour arriver ici? Bon, tant pis, je dois me débarrasser de toi. Sbire roquette de se battre. On voit Smogo. Allez, on va voir ce qu'on fait comme dégâts avec Mania. Mania qui est quand même une très bonne attaque. Hein. Pas assez, on fait pas assez de dégâts. Je suis déçu. En plus, on rate. Et du coup, si on rate, c'est-à-dire que la mania est annulée et on n'a pas les. Génial, le coup critique. Ah non, la mania continue, d'accord. Donc, c'est pas comme roulade. 600 points d'XP. On ne change pas de Pokémon, on a foi. Armand, for the win. On va pas le tuer si c'est comme l'autre. Détritus, allez, pas de critique, s'il vous plaît. On est confus. Et zut. Alors là, le manque de potions, j'ai complètement oublié d'en acheter. Et je pense que c'est ça qui nous met en difficulté ici. Là, ça va, c'est le dernier combat. On ira faire des emplettes un peu plus tard. Sbiroquette a perdu. Je suis fichu. Et 1000 Pokédollars. Qui, quoi? T'es là pour me sauver? Merci. La tour radio, que se passe-t-il là-bas? Contrôlé par la Team Rocket. Tiens, prends cette carte magnétique. Cette carte magne. Utilise cette carte pour ouvrir les volets du deuxième. Je t'en supplie, aide-nous. Dieu seul sait ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur. On va même manipuler les Pokémon grâce à un signal spécial. Hein? Mais alors, attends. C'est lance-flamme, ça? Non, c'est blabla dodo, d'accord. Alors là, le faux espoir de la vie. Oh, je suis tellement déçu. Ouh, ça va être bien. Oh, les sous. L'argent. On arrive au centre commercial. C'est parfait, on va aller faire nos courses. Parce que là, on est grave en manque de compagnons de voyage. Boutique dresseur, ça doit être là.
Bonjour. Ah oui, je m'assois. Ah oui, oh, oh, du fric. Allez, je t'achète, allez, 15 super potions, toi. Et bah c'est tout, parce qu'en fait, on peut rien acheter d'autre ici. C'est vrai que les boutiques à l'époque se débloquaient pas avec les badges. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 8 badges qu'on va pouvoir acheter des hyperboles dans toutes les boutiques. Là c'est vraiment classé par boutique entre guillemets. Là si je retourne à Mouville, j'aurai toujours que des pokéballs et des potions simples. Mais en tout cas, voilà. Alors l'épisode on est à une demi-heure, je vais continuer la tour radio, normalement ça va aller vite à se finir. Kaninos, je suis complètement désolé de t'avoir laissé mourir. Ouais, maintenant tu seras devant. Et j'avais oublié la bicyclette. C'est pas comme si j'oublie à chaque fois, après tout. Je veux dire. Si grave. Toi, on t'avait battu. Toi, non, mais tu ne vois pas. Et vous deux aussi. Ok, toi, on t'a esquivé. Toi, on t'avait battu. Un lecteur de cartes magnétiques. Pourquoi le truc s'est ouvert? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas vrai. Ces accusations sont complètement fausses, ce sont des calomnies. Allez, ratatac. Agneau 24, je crois en toi. Bon, je crois moins en toi, Kaninos. Je pensais que tu serais plus rapide, t'es niveau 30 quand même. T'as pas encore évolué, mais t'es quand même niveau 30. Par contre, j'ai vraiment hâte d'avoir une pierre feu, je vous avoue. J'ai beaucoup d'attentes sur Kaninos. Le problème dans cette génération, c'est que... Ouh, trop de mort. Ça va. Le problème dans cette génération, c'est que les pierres évolutives sont rares, mais à un point inimaginable. Dans la première, c'est simple, on pouvait les acheter. Là, c'est la Dopol. Smogon, non, on va rester. On va changer. Et hop, Netkin. Ah, j'aurais dû profiter d'être au centre commercial. Je voulais acheter une CT pour Netkin. Un autre point élémentaire qui sera très très utile. Ça va, on en a pas besoin dans cet épisode, l'épisode d'après peut-être. Ça dépend le temps qu'on met avant d'arriver à la ville suivante. Avant que ce Smogo nous donne quelques petits problèmes. Et voilà. La destruction, ok c'est bon, c'est fait. J'espère juste qu'il nous met pas KO. Non, c'est bon. Parce qu'on n'a pas de rappel encore. Je crois que les rappels, on va juste les avoir à Ebenel. Donc, c'est-à-dire quand même plutôt loin. Et là, j'ai bien fait d'acheter des super potions. Il m'en restait. What? Elles sont où? Oh, d'accord. Ok. J'ai dû appuyer sur B. Bon bah tant pis. Allez hop les hyper potions. Allons-y gaiement. Ah zut. Ah la perte de temps, c'est incroyable. Bon toi je suppose que t'es pas utile. Donc toi on va te battre, on va monter tout de suite. Stop, on m'appelle la forteresse de la Team Rocket. Pas un pas de plus poussin. Alors, d'une part tu m'appelles pas poussin s'il te plaît. Voilà, t'as un Osferalto. Ah, niveau 36. Ouais. Tu fais mal. Aïe. Ça pique. Gravalanche, hein, écoute. Je te l'ai dit, ta retraite est encore loin. Là, on va bien résister.
théoriquement. Et là, on va faire jeu de pierre. Alors, est-ce qu'on va se faire accès de ouf? Non, ça va. On n'est pas apeuré, on rate pas notre jet de pierre. Par contre, waouh, je crois qu'il va même en falloir encore une autre encore après. Ah putain, il faut. Allez. Nickel. Et ça le tue, yes. Magnifique. Et waouh. Si on l'avait battu avec Sans Blocken, ça n'aurait fait 1300 points d'XP. T'as cassé ma forteresse. Ah, mais t'as un Osfaralto, alors bon. Potentiellement, tu fais mal, mais bon. Dès que t'as un Gravalanche en face, tu fais plus le malin, quoi. C'est normal. Je suis désolé. Au bout d'un moment, tu cherches la merde aussi. Ok. Tu te souviens de moi, dans la planque d'Akajou? J'avais perdu, mais cette fois... ce qu'il y avait à Arbok. Oui. Quel niveau? 32, ça va. Voilà, c'est vraiment les admins de la Team Rocket reconstitués à moitié. La morsure qui fait pas si mal que ça, ça. Une petite brûlure pour nous assister? Non. Sûr? Sûr que tu veux pas? Allez. Allez, Caninos. Allez, Canisos. Non, toujours pas. Non, mais... allez, s'il te plaît. Regarde, il fait exprès de rater son ligota juste pour que tu puisses le brûler. Montre-nous tes talents, pour une fois. Pour une fois, excuse-moi. J'aurais peut-être pas dû dire pour une fois. Ok, intimidation Karate aussi. Est-ce qu'on va le tuer ou pas? Toujours pas. Bon, on va faire morsure. Oh, le coup critique. On n'a pas la trouille. Et le niveau 31 pour Canisos, c'est génial, c'est parfait, c'est beau comme le monde, et comme la vie, et blablabla, et cornèvre, on va mettre Netkin. Ouais. Si tu veux. On va le tuer en un coup. La réponse est coup critique. Ok. Utiliser Rafflesia. Oui, on va changer de Pokémon. Ah, quoique dans Canisso, ça a plus de... plus beaucoup de PV. On va rester. On va prendre les paris avec Cutfer. Oh, cette défense. Cette défense, je m'y attendais pas. Bon, heureusement qu'il nous fait voler à côté. Je me serais senti mal. Oh, 20 PV, une... non mais sérieux? Quand j'ai de réveil, j'en ai deux. Ah, chaud. Il faudrait que j'envoie Léviator, peut-être pour Dracorage. Arrête de récupérer ta vie par contre. Que de faire qu'il repasse une deuxième fois. On n'a pas de base de défense, on a re la poudre dodo. On va changer de Pokémon. On va mettre Armand. Volvie. Alors combien est-ce que j'enlève? À peu près pareil. On va faire Mania plutôt que Dracorage. Et ça suffit, coup critique. Wow, parfait. Magnifique. Niveau 32 pour Armand. J'ai cru qu'il apprenait quelque chose, mais non, c'est l'XP de Netkin. Mais c'est pas possible, je me bats à fond et je perds. Allez, pat-pat. En attendant, nous, on va finir de se soigner. Canisos y compris. Franchement, j'ai envie que aucun de nos Pokémon ne prenne de retard.
J'ai vraiment pas envie d'avoir des chaos. Ah, t'es déjà là? Tu dois avoir un sacré talent. Nous allons contrôler cette station de radio pour annoncer au monde notre retour. Ça devrait faire revenir notre chef Giovanni. Mais oui. Allez. On prend les paris. Ok, 3 Pokémon. Un Malus. Le cousin maléfique de Canisos. Allez, pas de blabla, on en va. Ok, la fin, on a une vingtaine de PV quand même. Hein. Mais sort, à mon avis, ça va lui arracher la peau du visage. Avec une pince à épiler même, je pense. Voilà. C'est beau quand même la vie. Smogon, on va pas changer de Pokémon. Allez, Armand pour la win. Moi je dis c'est easy. Trust me, it's easy. Ok, détruis-tu ça. J'ai vu le DE, j'ai eu destruction. Soit on empoisonnait, ça est chiant aussi, mais bon, destruction, je pense on serait mort. Hein. Enfin, les Gators auraient été mis KO. En tout cas, on prend pas de dégâts de poison ce tour-ci, grâce au KO. Il va nous envoyer des molosses. Ok, on reste. Oh là là, quelle classe des molosses. Utilise feinte. Je pense pas qu'il va nous tuer. Quoi qu'il y ait niveau combien? Niveau 35. Ça va 18. Et le surf, alors quel dégât pour surf. Ah, il tient bien, hein. Bah écoute, Armand, je suis navré, mais de toute façon, j'ai plus rien pour te soigner. Je vais utiliser une hyper potion volontiers, mais je n'en ai plus. Et donc, on va le finir avec Banettine, hein. Allez. Allez, coup de corne. On va flamèche. Je pense pas qu'on va prendre tant de dégâts que ça. Quand même. Ah, on est pas loin. Vite. Allez, pas de coup critique, pas de coup critique. On croise les doigts. Nice. Et voilà. La fin de la tour radio et le niveau 32 pour Netflix. C'est parfait. Non, pardon, Giovanni. Impossible, nos rêves se brisent. Je suis pas digne. Comme Giovanni l'a fait déjà dit, je vais dissoudre la Team Rocket. Adieu. Et voilà. C'était la Team Rocket. Merci, Game. Ouais, de rien. On a le glace transparent qui pourra nous permettre d'aller capturer Suicune. Ah. Ouais, la tour ferraille de Rosalia. Est-ce qu'on est obligé d'aller à la tour ferraille ou pas? En vrai, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de capturer Suicune en fait. Mais ça, on le verra au prochain épisode. Parce que là, je vais vous laisser là. L'épisode dure depuis bien assez longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode numéro 13. Finalement, aura porté plutôt pas mal de chance, hein, vu qu'on aura défait la Team Rocket qui est dissoute à nouveau. Entre l'épisode 13 et le 14, j'irai me soigner. On ira droit à la zone suivante. Maintenant, encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode en entier, merci de suivre la série. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 14 et peut-être notre 8ème badge.